DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba, Congo. Fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwango yango yo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oye ye. Merci bien. Tangwe koki RDC. Tangwe koki peuple congolais. Tangwe koki République démocratique du Congo. Tangwe koki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mema Minduki na maboko pona kobenga na banguna. Tangwe koki bana mboka totelema pona koluka ko défendre patrie na biso oyoyo banguna badongolo miso baza kolala te baza koluka ndenge nini pona koluka ko renverser régime oezali ya peuple congolais régime oezala ki accepté par l'éternel Dieu tout puissant régime oyo ezala ki accepté par les anges aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, je tiens vraiment à m'excuser, pas maté, vonangai a tellement cassé parce que ces derniers temps nous travaillons à double brassard. Nous avons travaillé sur le terrain, nous avons parlé matière debout, en même temps, nous avons la télévision. Tout ça, c'est pour chercher à défendre d'abord la nation. Les intérêts, les postes ministériels, les postes DG, PCA, je ne sais pas moi, ça va venir après. Mais pour le moment, d'abord, c'est le travail. Alors, je suis Monsieur Marabobola, je suis combattant, notamment le capitaine de l'armée numérique. Puis, je suis le ressortissant de la province du Sidoubangui. La province chœur de Jean-Pierre Bemba, la province chœur de José Makila, la province chœur notamment de Akasia Bandoubola, que j'aime appeler affectueusement Moseka Yabudjala, la province chœur notamment de Michel Moyombo, la province chœur de Marabobola, la province chœur de tous les Bangala, les Bangwaka, les Bangwaka, les Bamong, non, les Bangwaka, les Bangombe, les Bambanza, nous sommes dans la province ici du Bangui. Alors, c'est bien, c'est parti. Très heureux encore, nous sommes encore devant vous. Serrez déjà vos ceintures parce que j'ai amené de nouvelles, j'ai amené de nouvelles informations à qui pour vous nourrir. Parce que notre travail, c'est d'aller chercher, puiser les informations et vous ramener. Guerre dans l'Est, République démocratique du Congo. Interruption par les Wazalendo. Interruption par les services de sécurité de Goma appuyés par les éléments de Wazalendo de 50 tonnes remplies plein de coltan à destination de Goma, à destination du Rwanda de Kigali, la maire de la ville de Goma. En tout cas, la mairie de Goma mérite une félicitation de notre part. Bakangi 50 tonnes au Ezali à coltan au Ezako Kene na destination. Ya Rwanda et Utibongo na côté ya Kichanga ezako ya malembe malembe bakanyango na Goma il fallait bima na ebite komi Goma il fallait kota Rwanda et puis moment otoza ko lobabwe 50 tonnes ezali bongo intercepté notamment par le service de sécurité ya renseignement civil renseignement militaire et puis appuyé par le Wazalendo bakanyango na niveau ya Goma ezako kende Kigali pona koluka kokota na Rwanda bateka yango. Bravo et pa na bandego na biso ya service de sécurité tukozonga pona kopesa bino ba information comment elekaki. Alors toujours la guerre on reste à l'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Les FRDC détruit 4 entrepôts notamment du M23 dans les territoires de Rutshuru et dans le village de Matembe au niveau de Kirumba. Et puis à Kaemba. Voilà. Les FRDC, bravo. Alors, Togosola Bongo, si j'ai Nabiso Moussousou, Togosola Bongo, Kabila aurait envoyé une délégation, notamment des ambassadeurs, Oyo, Bazali, Yaba pays membre, Ya Sadek, Baya Koumona, chef de l'État, na niveau ya Oya, Baluka Moye, pour plaider en faveur de Kabila, enfin que Tshisekedi puisse accepter les dialogues qui ont demandé par la classe politique de l'opposition congolaise afin de pouvoir pallier à la situation de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons encore revenir pour vous donner encore plus de détails. Alors,
Kabuya l'Unyeka qu'on appelle affectivement nous les combattants de l'UDPS, on l'aime bien l'appeler l'Unyeka, mais c'est Tosso Obika. Augustin Kabuya humilié par le président de la République Aloïa lors d'une rencontre entre une délégation des internationales socialistes qui ont été acceptés au niveau de l'OIA. Alors, peuple congolais serait sentir pambaté. Tout ça, il y a un peu de sabino, makamboya somo, makamboya malamu, ou efa de sénabiso, asali. Tout ça, là, en réalité, ils allaient kaka trois sujets. Sujet à l'ibousso, ils allaient à guerre, il y a est la République démocratique du Congo. Deuxième sujet, nabiso, n'est-ce pas, tu as annoncé, ils allaient délégation, il y a un ambassadeur. Ma pays membre à Sadek Obaye Kokutana na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour baluka ko plaider na kaya makambo etali dialogue pambate chef de l'état andi ma dialogue pambate Kabila za ko mona eke ekozalelo kwa malamu pona ye ya koluka ndenge nini ya kozonga na bafere. Alors to soali ka musini alobi ndenge nini Kabuya ba humilier ye na OIA pambate aza ko ninga kutika ide peste peuple congolais. Makamuza ko le kalamboka na biso o ezali a guerre na est o nga na benga ka souvent na munyele ekolo Congo batomboki ya M23 on lié place ya ko bunda bitumba ndenge bango bazako ko ya ko bundisa biso sous prétexte que bakozo mabele na biso on lié a place ya ko se retirer sur le sol congolais on lié a place ya ko lukamo ko yebisa Kagame et que tikana nous koluka ko appuyer biso pona makambo o ezali ya guerre on lié à place bazongi la ba classe na bango na Rwanda l'armée rwandaise oyo bazali ko appuyer M23 bango bandimi bongo ya koluka ko kota na complicité na certains congolais marionnettes o ezali ya Messi Corneille nanga na bato msusu pona koluka ko piller ba ressources o ezali ya République démocratique du Congo. Chers compatriotes, l'heure est grave. Il est temps que le peuple congolais puisse se réveiller. Il est temps que nous puissions sortir dans le sommeil. Réveille les gens qui sont en train de dormir. Pambate toloba ki yango ke mboka oyo les gens qui vont faciliter la balkanisation, ça sera toujours les congolais marionnettes qui seront manipulés et pour des billets de banque. Na lobaka yango tout le temps, je l'ai dit même aujourd'hui dans mon parlement debout. Na yebi si peuple congolais que bato bako faciliter balkanisation, so ki un jour eko salama eko salaba congolais oyo balinga mbongo, ba congolais oyo balinga kotonga bandako, ba congolais balinga batamwa mituka ya cher, ba congolais oyo balinga bana na bango bakendaka ba poto, batanga na poto alors que to dans ba école bazala ba mbongo bakotia na kati. Ba congolais wana bako somba bango na ba billets de banque. Oyo bako ndima koteka Congo et yango oyo prophétie politique na ngai eza déjà kokokisama. Peuple congolais, nous devons sortir dans la distraction, dans la manipulation. Tala likambo ya somo, certains congolais marionnettes bandimi ya koteka mboka. Koteka mboka ça veut dire quoi? Bozui ba dongolomiso, les éléments du M23 en complicité avec M. Corneille Nanga. Bandimi pona koluka moyen ya kokende kopier ba ressources aux alliés République démocratique du Congo. Le coltan aujourd'hui sur les marchés mondiaux, aujourd'hui un kilo de coltan, je ne sais pas moi, ça dépasse plus de 50 dollars. Un kilo de coltan. Aujourd'hui, si vous avez un kilo de coltan pour aller vendre ça auprès des opérateurs économiques qui sont dans les domaines de mines, qui sont dans les domaines miniers, un kilo de coltan évalue à un prix de plus de 50 dollars. Et si ça évalue à un prix de plus de valeur, de plus de 50 dollars, ça veut dire qu'un coltan, un kilo de coltan vaut quelque chose. Maintenant, faisons maintenant un petit calcul. Le gouverneur militaire, ensemble avec les services de renseignement de sa ville, avec le Wazalendo, Oyo ba intercepté, ba kangi un conteneur, Oyo ezali plein de 50 tonnes, ya coltan, Oyo ezali kokende wapi, eza kokende na Goma. Peuple congolais, Oyo e babenga kango, ezali bradage, ya matière première. Et c'est comme ça, vous allez voir, que la population congolaise demeure toujours dans la pauvreté, mais la population rwandaise est en train, notamment, de se réjouir. Parce qu'aujourd'hui, en qualité de nouveau de vie, si nous voulons faire un petit calcul, la vie d'un Congolais
par jour, un Congolais vit au moins de 2 dollars par jour. Lorsque nous allons faire la déduction en francs congolais, nous trouvons qu'un Congolais par jour, il vit avec au moins combien? 5200 francs congolais. Ce n'est même pas 3 dollars, même pas 4 dollars, même pas 5 dollars. Mais quand vous prenez la vie d'un Rwandais, je pense que la vie d'un Rwandais, c'est au-delà de 5 dollars. C'est lui qui vit dans la capitale au niveau de Kigali. Nous ne parlons pas de ceux qui sont dans des milliers ruraux, dans leur territoire, dans leur localité. Non, ceux qui sont au niveau de capitale. Mais regarde maintenant, qu'est-ce qui fait que ces Rwandais puissent bien vivre? Ce sont les matières premières qui sont en provenance de la République démocratique du Congo. Voilà 50 tonnes. 50 tonnes, où est-ce qu'ils ont exploité ces 50 tonnes? Mais c'est au niveau des localités, des villages que M. Nanga est en train d'occuper avec les M23. Et d'après les informations que nous aurions eu à recevoir, mais c'est qu'on a un an, on ne contrôle même pas les localités qui sont occupées par le mouvement des M23. Ça veut dire que Nanga est là juste comme une marionnette. Mais c'est Nanga est là juste comme une marionnette. Lorsqu'ils viennent dans une localité, dans un village, ils ont récupéré ce village, ils prennent Nanga, ils le mettent derrière. Et ils vont prendre des Rwandais pour les placer là-bas pour diriger. Ils vont installer une police, ils vont installer une armée, ils vont installer une petite administration et ils vont aller notamment dans des mines. Ils vont donner des ordres pour que la population qui est là puisse dégager. Et c'est comme ça qu'ils vont commencer maintenant à exploiter. Et en exploitant, ils prennent maintenant toutes ces matières premières, et ils vont commencer à envoyer ça, par exemple, dans le Rwanda. Mais voilà encore une autre complicité. Yango Omoni et Sengeli Tobeta Obalobaka, nous devons féliciter les Wazalendo qui sont en train de faire un travail patriotique. Je ne sais pas moi ce que les Wazalendo va foutre à Maga. Je ne sais pas si les Wazalendo sont payés par l'armée de la République démocratique du Congo à travers le gouvernement congolais. Au moment où les Wazalendo baza kusala musala makasi, nous devons aussi voir les Wazalendo être payés. Ils ne va foutre à bango. Tala misala ya bo 50 tonnes au ezali ya ba coltan. Kigali. Et lorsque Kagame a besoin yango, c'est pour expédier ça. Atinya aux États-Unis, il envoie ça en Grande-Bretagne, à la Grande-Bretagne, il envoie ça au Royaume-Uni, il envoie ça en Belgique, partout ailleurs. Et lorsqu'ils vont vendre ça, il y aura des pourcentages qui seront partagés. Ces pays-là vont gagner quelque chose et le Rwanda gagnera quelque chose. C'est comme ça que vous allez voir que le Rwanda est en train de construire ses pays, le Rwanda est en train de construire ses routes, le Rwanda est en train de bien payer ses membres d'administration, les membres de ses fonctionnaires de l'État. Il va bien payer ses médecins et à la fin, les États-Unis, à Kobimisa, à Kofungula, Mbanga, Naye, Pona Kolobake, Tozali ko saluer, nous félicitons M. Kagame pour la bonne gouvernance. Bravo et pana, monsieur le maire, ya ville, ya Goma, Oyoyo, ba outi ko kanga, 50 tonnes, Oyezali, notamment, ya ba canton, bravo et pana Wazalendo, bravo et pana service de renseignement, ya ville, ya Goma, vraiment vous allez déterminer. Pambate, même frontière Rwanda, je ne sais pas moi, est-ce qu'il est important, ba kanga frontière Rwanda te? Parce que l'enjeu ici, c'est quoi? Ils ont un boulevard voilà ouvert et permettre que les gens soient dans le Baruchuru, ils soient dans le Kayabayonga, ils soient dans le Niragongo, ils soient dans le Rubaya, ils soient dans le Kichanga, place de la Kanga, et puis les gens soient dans le Kende. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de bloquer ces frontières? Cette frontière, moi, vous êtes dans le Kanga. Il y a des Congolais seuls qui vivent. Parce qu'ils travaillent au Rwanda. Il y a aussi des Rwandais qui vivent chez nous, oui. Mais pour l'intérêt national, il y a la frontière, il y a Rwanda. Non, il y a la frontière. Les FARDC, comme nous avons annoncé, nous sommes toujours dans la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Bandeko, FARDC, Asali Moussala et Makas. FARDC bravo et pas un général major Christian Tiwewe Batunayo jusqu'à présent les hommes en uniforme l'armée congolaise l'armée régulière na niveau ya terrain azali ko frappé ba zone oyo eza ko kipe na niveau ya ba M23 baza déjà ko trembler lobi to leki to lali na butu dans la nuit ya lobi na ya lelo. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes le 28 mars
Nous sommes le 27 aujourd'hui. Dans la nuit du 27, non, dans la nuit du 26 au 27, les FARDC ont fait un travail remarquable. Et les commandos sur le terrain, nos militaires sur le terrain, ils sont allés notamment bloquer et démanteler 4 des entrepôts. Oyo Ezalaki, plein, il y a ma munition, il y a ma M23. Baza vous salandeni. Baye, dans le village, par exemple, il y a ma Tembe, dans le niveau de Routchourou. Baye na Kirumba, baye na Kayemba, bango baye le kolo baye bien que les Wazalé nous basa ko travailler mingi na terrain, bango ba ko sala nini, ba ko kende ko luka sukoyo na ba comment on appelle ça, ba benga ngona français isa na lingala ba benga ngona isa esanga, ça veut dire que esanga c'est une forêt, bon une savane, une forêt ça dépend entre deux villages, ça veut dire que si vous êtes dans un village vous voulez aller dans un autre côté, vous voulez aller dans un autre village sur la même route. Maintenant, il y a des petites forêts qui existent entre ces deux villages. Et c'est dans ces milieux-là, où le M23 va installer un entrepôt dans Bango. Et pourquoi? Il va installer un milieu, c'est stratégique. Il va installer un milieu, parce que dans la place où il y a la facilité, il y a la munition. Et puis attaquer les villages qui sont aux côtés et directement prendre les villages en otage. Et puis le col à armée d'habitude ils allaient infiltrer au moment là que tous un problème il y a effectif tous un problème peut-être qu'il y a des munitions au moment là que moi va résister zate armée régulière à céder les bango village bakangi village et c'est comme ça bah occuper yango bakayi suko na ba mine. Première opération ils allaient installation et occupation et village. Deuxième opération, ils allaient y occuper naba mine pour nagoluka ko sala nini ya koluka ko banda ko exploiter sur ko ba matière première. Mais ba entrepôt na bango oyo ezalaki na niveau ya Kayemba ya Kirumba na niveau ya Matembe wana tozali na territoire ya Rutshuru ezalaki déjà notamment récupéré démantelé par les FARDC et j'aurais appris que FARDC à récupérer qui en haut, bon, ngai na mona ke que ça n'était pas important pour que l'armée régulière de la République démocratique du Congo, les FARDC, en collaboration avec la loi notamment de, comment on appelle ça, il y a un terme qui m'échappe, ça va venir, la loi c'est la programmation de militaires ou de l'armée, où ils allaient à Wazalé no Labiso, il fallait bazwa yango, batumba yango, il fallait brûler ça. La République démocratique du Congo, tokoyi kozwa biloko ya bato bazako boma biso, bato bazako tia désordre na mboka, bazali ko créer o babengaka insécurité, bazali ko violer ba mamaleki, ba tata mwasi, bana na biso, bazako boma bazali ko piller tozwa yango tokosa na ngoni. Esenge batumba biloko wana. Donc c'est comme ça les FARDC a luki moyen ya ko récupérer biloko wana. Et en dehors de cela, le Wazalendo bazala ki notamment na Nyiragongo, ba kei ko menacer Oyo babengi bango le M23. Dans les jours qui viennent, Bukoyoka eke na territoire ya Nyiragongo et Wazalendo na FARDC ba ko récupérer Nyiragongo. Pambate, bazali ko avancer vraiment na ba ligne de front oyo ezali ya malamu. Dans tous les lignes de front, na ba point oyo FARDC asili déjà ko récupérer neti bamboka oyo. Ceux qui t'ont récupéré déjà ba entrepôt, ce sont déjà des villages et des localités oyoyo biso toluki de moyen ya kusani ni ya ko récupérer yango et sur les lignes de front les Wazalé no baza ko CDT par le biais que ba ko respecter cesser les fêter pambate cesser les fêter c'est une façon ya ko endormir biso ya ko distraire biso boka ke M23 a avancé et puis ba récupérer Goma ba récupérer Bukavu ba imposer sur le chef de l'État dialogue chef de l'État vous en achoté pour comment on a que des grands Kivu ou bien les grands Kivu ils ont beaucoup ya M23 ils ont beaucoup à Kagame et pour permettre que ça la balkanisation chef de l'État vous savez ni à condima makamo ou ba bengi ya nini ya ko ça la brassage et puis intégration réinsertion au moment on que bananga ba kokoma ba ministre de la défense au moment ba wilingo mawana ba nommer bango ba chef d'état major et puis c'est comme ça voilà pourquoi toza ko benga bino na vigilance toza ko yebisa bino pambate sur terrain l'armée régulière et puis le Wazalendo bazali ko avancer et singeli to encourager bango une autre information toujours sur le Wazalendo na mikoleza koya on annonce un renforcement des capacités pour le Wazalendo pambate ezana ba nouveau recrut
oyo ba recruter ki bango na niveau ya terrain singel ba pesa bango ba tactique. Oui, moto soko ya côté na bitumba, oyo ya côté na armée. Singel ba pesa ye ba tactique, Jésus encore les abongo te. Les abongo Jésus encore. Et singel ba laksa ye ko bunda, ba laksa ye ko simba munduki, ba laksa ye ko kima na zamba, ba laksa ye ndenge nini, akoki ye ko résister, pambate et ko zala quelque chose de bien. Et cette formation, ils en ba instructeur oyo baza déjà na Goma. Oyo baza koluka kokende kokota na wazalendo kokuta na ba wazalendo ba pesa bango ba formation wana ba renforcer bango formation na bango ekozala bien. Bravo ipana armée régulière, bravo ipana Christian Tiwewe chef d'état major na biso, bravo ipana Chiku Titambo mon général on a soutenu toujours. Sachez le que mon général vous êtes soutenu par Mara Bobola. Je suis aussi le wazalendo sur le plan médiatique. Je suis parmi ceux qui vous soutiennent. Je suis parmi ceux qui vous poussent à tenir et aller de l'avant. Je suis parmi ceux qui vous soutiennent pour votre bravoure sur le terrain. Parce que Mabele Yabakoko, Tukotika Ngote, mon général Chico, vous avez tout mon soutien. Vous avez tous mes encouragements. Vous avez toutes mes félicitations. Kende Liboso. S'il y a des Congolais qui vous soutiennent, sachez-le que moi, Mara Bobola, mon général Chico Titambwe, Yayo, Losako, Yangoyo, Napusio Bongo, Losako, Mukakoswa, Kende Liboso. Alors, peuple congolais, tu continues à la politique. Wana, tu as la qui dans le domaine de la sécurité, tu lobby ma Kamboya, ya guerre ya Est et République démocratique du Congo, tu lobby Nengenini, armée Nabiso, maire ya ville ya Goma, Anterepsista qui, Obabengi, 50 tonnes, où ils allaient à Colton, par les services de renseignement militaire. En collaboration na mawazalendo bakangi yango 50 tonnes wana na ebité bateka yango. Oui, on doit vendre ça, les 50 tonnes je dis en collé. Il faut bateka yango esunga même ba déplacer de guerre au bazana ka ya mugunga esunga même kotunga même ba école le cola comment on appelle ça rentrée scolaire la semaine prochaine ba lu quand même ko bakisse la ba enseigne quelque chose na mbongo wana bakangi ya 50 tonnes o ezali ya coton. To continue na makambo politique a ande plan sukoyo na mona kae ke mboka na biso ezali kotambola vraiment malamu et chef de l'état azako bunda Kabila envoyerait une délégation auprès des chefs de l'état au niveau de l'organisation de l'Union africaine à l'OIA afin de plaider pour son cas afin que le chef de l'état puisse accepter le dialogue. Peuple congolais, Kabila azana kimiate. Kabila zala kimiate, la la. Oh là là. Quel est ce serviteur de Diago qui ne retient la Kabila mabo ba pesa kimia? Oui, bako o salango. Mais soki totali makambo Kabila sali na mboka. Soki totali pendant 18 ans, chers compatriotes, pendant 18 ans, le pays a été géré par Joseph Kabila Kabange pendant 18 ans. Et Monsieur Joseph Kabila Kabange avait au Babenga Kaye une lipasa. Voilà, une lipasa au Babengiye Jeannette Kabila. Kabila ye moko, tango azubo kunzi, azana 29 ans. Jeannette Kabila, azana combien? Azana 35 ans. Ba ma passa o lele o zambelangaye. Ki ma passa ngoy beba, je zi yankole. Ki ma passa beba. Qui m'a passé et beba. Nous sommes tous ma passe, ma bota ma ramoukolo moko. Oya botami sikoyo, oya botami er moko. Mais tellement ma passe ya Kabila, ya botama na 29 ans, li passe na ya botami na 35 ans. Et car il y a 6 ans, oya ma passe ya ndengeni. Oya ma passe ya ndengeni. Kabila tindi batu, aurait envoyé une délégation, bagye nou kouta na chef de l'État. Chef de l'État sali déplacement accueilli na Zimbabwe. Na sommet, 44e sommet où Zalaki a IA, Union africaine. Le président de la République, avec sa sécurité, on a bengaka Nzela Bilanga, on a bengaka Mukongo ya Boato, on a bengaka Mukongo Nzoku, les grands Baoba, on a bengaka Moya. Na ebite na suki wana ikobima prochainement. Chef de l'État Ayambi délégation Oyo. D'abord, basali audience. Pour l'encounter chef de l'État. Le président de la République, Alobi Azaki, vraiment occupé. Basali pression. Le col entourage à chef de l'État.
Ils ont entourage, je ne sais pas moi. Balinga Mbongo, Balinga Nyoso, Babosa na Makambo ya Mboka. Certains membres ya ya conseil ya chef de l'État, ba conseil ya chef de l'État, ba kiko supplier chef de l'État, ba ebi se singeli ondima, Makambo oyoyo, bazali ko oyamba batuana. Le président de la République, comme un pacifique, un démocrate, ayambi bango, ayebi si bango, je suis là, je vous écoute, ba yoko plaider pour na Makambo ya dialogue. Balobie ke mboka ezo kotambola malamu te. Vous avez la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Deuxième situation, vous avez le problème de la gratuité de l'enseignement. Gratuité de l'enseignement. Et troisième problème, vous avez le problème des projets de 145 territoires. 145 territoires. Quatrième problème, vous avez le problème de Mobondo. Ici, na niveau ya Maindombe na Kwamutu Mobondo. Vous avez le problème de Mobondo. Et troisièmement, vous avez le problème social des Congolais. Ça veut dire qu'il va présenter cinq problèmes. Bah, il y a un problème, il y a insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, la guerre opposant les M23 soutenu par M. Kagame. Ça veut dire que la guerre opposant la République démocratique du Congo et le Rwanda. Deuxième problème va poser problème, il y a gratuité et enseignement. Troisième problème va poser problème, il y a projet à 145 territoires. Quatrième problème va poser problème, il y a Mobondo. Et cinquième problème va poser problème, il y a social, il y a peuple congolais. Bah, c'est chef de l'État. Bisso, délégation, il y a membre, il y a ma pays, il y a SADC. Tous allés prêts pour la Okutanana, yo. Tous allés Okutanana, Kabila. Kousang Sabande, Kouana, Nyoso. Et puis Kousurana, Bango. D'ailleurs, avant que toi y a Awa, nous avons déjà eu à trouver des discussions avec eux. Mais nous venons pour vous rencontrer afin que nous trouvons ce qu'on appelle une voie de sortie dans tous ces problèmes que nous venons de vous épingler afin que vous puissiez bien gérer le pays. Et ils ont évoqué tous ces problèmes, ils ont dit au président de la République, vous ne voyez pas que tous ces problèmes ici, ce sont des problèmes qui vont vous empêcher de bien gérer la République démocratique du Congo. Parce que vous avez le problème de la guerre en l'Est de la République démocratique du Congo, dont vous prenez beaucoup de millions de dollars. Vous les mettez pour pouvoir pallier au problème de l'insécurité et de la déstabilisation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et cet argent pouvait être investi notamment sur le plan social, sur le plan des constructions de routes et de dessertes agricoles, sur le plan notamment de l'électrification, sur le plan notamment de donner des dessertes en eau potable à notre population, et sur le plan aussi social, et sur le plan d'appuyer les projets des 145 territoires, dont parmi les projets phares, notamment de votre gouvernement, de votre mandat. Et en dehors de cela, ils ont aussi invoqué un autre problème, notamment de la gratuité de l'enseignement. Et d'ailleurs, cette délégation menacerait notamment à la, comment on appelle ça, à l'UNESCO, qui est le partenaire, l'UNESCO, l'UNICEF, qui sont les partenaires notamment de la République démocratique du Congo sur le plan des gratuités de l'enseignement, de pouvoir de ne plus mettre encore plus de 15 milliards de dollars sur le plan des gratuités de l'enseignement. Regardez comment on vient solliciter une aide, en même temps on vient avec une menace. Et ça la mawa. Est-ce que le salamate? Et ça la maté. Aux heures où il y a solution au problème, mais où il y a une menace? Où il y a une menace? Ça ne va pas passer. Et en dehors de cela, Bazar au sein de la chef de l'État a dit ma dialogue. Et stratégie est Zadini. Soit chef de l'État a boi qu'on se soumettre. Na demande au Ezali yabatu oyo. Bango ba ko komela o ba bengi FMI. Bako komela Banque Mondiale. Bako komela comment on appelle ça? Bako komela UNESCO. Bako komela UNICEF. Ba senga na bango ba retirer soutien na bango na makambo itali gratuité enseignement. Pambate baza ko mona e que la gratuité de l'enseignement, c'est parmi les projets phares qui soutient les sociales des Congolais. Comment la gratuité de l'enseignement est en train de soutenir les sociales des Congolais? D'abord, un parent qui payait au moins 1500 dollars chaque année, 1500 dollars. S'il avait un enfant, il payait 1500 dollars. S'il a trois enfants, il a 4500 dollars.
Mais le chef de l'État est venu faire appliquer le projet notamment de la gratuité de l'enseignement. Qui stipule que tout en, la, l'éducation de base est gratuite sur, le, sur, toutes les, sur tout le territoire de la République démocratique du Congo au niveau de la République démocratique du Congo. Et lorsqu'un parent paye 1 500 $ et que la gratuité de l'enseignement, le président de la République a dit pas question de payer ses frais et il faut que nos enfants, nos élèves puissent étudier gratuitement. Mais avec 4 500 $. Ce que vous avez déjà 4 500 $ à Kinshasa, l'élo, où vous avez dépensé pour que vous foutez là-bas dans la classe, ils ont bon rebelle. C'est beaucoup d'argent. Bon, on a eu quoi aider, ou tiens, ma dessus nandako, ou tiens, soukali nandako, et bon, on a eu quoi aider, ou même, ou tiens, même, moi, la moussou na poto. Ce qui, moi, na ou, a eu un diplôme avec 4 500 $, vous pouvez l'envoyer en Europe, à quoi qu'il y ait Chypre. Ceux qui font ce droit, dans le Lendo, dans le Mindondo, dans la Belgique, beaucoup de Chypre, ils peuvent aller étudier là-bas. Et cet argent, 4 500 $, oyo, et quoi autant que ça, moi, dans la poteau, et puis il y a celle ici classe. Mbongo, oyo, et quoi que l'idée, au futara même, d'ako, au soma miliki, au tiabiloko, d'ako. Mais tel est ce que le bateau, n'est pas le convainc sa chef de l'État à genoux. Bazo le convainc sa chef de l'État à genoux. Tant que y a un dialogue, important ce dialogue est Zanini. Nous avons une stratégie. Stratégie est Zali. Nous avons un dialogue. Pendant ce dialogue, vous allez attendre Martin Fayulu qui sera nommé comme Premier ministre. Parce que le chef de l'État ne va qu'accepter afin de ramener tout le monde sur la table et dans la gestion, notamment de l'Union sacrée de la nation. Une gestion union. Une gestion de l'Union sacrée de la nation. Et en dehors de cela, vous allez entendre Corneille Nanga va nommer ministre de la Défense. Oyoka, Wilingo va nommer Sokinani. C'est ça la stratégie. Et la dernière stratégie, Ezali Oboyokaka, Yakoa, soit Tisekedi devant Obabengaka, l'Union européenne et les multinationales. Et c'est dans ce sens que le président aura que ce qu'on appelle le seul souci de se soumettre au dictat, notamment de l'Union européenne. Oh le loyo, bah au Kalisusu, Makamouya chef de l'État. Bah donc on a Tisekedi à Zaku Kima Bango. Soba Kebu Barate Tisekedi, Soba Lukio Bao Zoaete, Toko Kalme et Nengeni. 2028, élection avec Salama, chef de l'État qui propose d'offrir. Et Bango Bazo Lunga ba kota d'un affaire. Fayulu Yata ba nommé Premier ministre, a ko travaille malam te pour la Tisekedi. Moïse Katumbi a ba pese primati, a ko travaille malam te. Bango pe sa mot d'ordre de la ministre na Bango, ba travaille malam te pour faire échouer le deuxième mandat du chef de l'État. Comme ça, il y a la question d'offrir au chef de l'État que la population, le peuple congolais va voter, votre opposition. Tout le monde a la stratégie où il y a 2018. Pambate Kabila a échoué pendant 18 ans. Et l'échec de Kabila a fait aussi que M. Chadari ne puisse pas réussir. Parce que Dauphina, où il y a d'offrir à Kabila, à mon avis, le peuple congolais, à mon avis, que ceux qui ont continué dans Kabila et qu'ils ont la foi, Dialogue, bokene. Tu occupes que Macron azo ça la consultation. Bokene Macron, il peut vous nommer des premiers ministres. Macron azo ça la consultation. A quoi nommer bino va premier ministre? Fayulu va nommer au premier ministre. D'ailleurs, au salama ba étudie ba pétrole. Pouvez aller là-bas, ba nommer au premier ministre. Delice sanga okene kuna. Mukwege okene lokoza médecin. Macron azo ça la consultation. Bokene kuna ba nommer bino. Otika biso. Tous a préoccupé dans ma Kambouya Est, tous a préoccupé dans social à peuple congolais, tous a préoccupé le tiri qui est quota, tous a préoccupé bande de gonabiso bazana pour toute diaspora congolaise. A mon akimbo rezo que liboso, tous a préoccupé ba tous les arts qui j'ai ces là. Tous a procuré préoccupé par notamment ya ma Kambouya nini, ya développement ya Congo. Dialogue bosé la nan mke. Et d'ailleurs, dialogue na mboka na biso za rapport na roider au ba bengaka. Moutazan a pouvoir à bénéficier dans 2 ans ou 3 ans du sous. Ah, Gamara Bobola. Tu dialoguais dans 2015. Tu vois qui n'y et puis si biso gouvernement y a nani, y a Sami Badibang. Tu es que dialoguais du sous na 2016. Et puis si biso nini, et puis si biso Bruno Tshibala. Tu es que dialoguais, non, dialogue yango isuka yika bongo. Plus de 35 dialogues dans Mboka na biso. 1 plus 4.
toke na San City, toke na Addis Abeba, toke na Mboudi, toke na, comment on appelle ça, na Outenika, toke partout. Accord de Lusaka. Tozongi bo accord soki ya nini. Tozawap. La crise à l'Union pour la démocratie et le progrès social continue toujours. Et cette crise, nous nous considérons que c'est un sabotage de la part de l'ex-secrétaire général de l'UDPS, M. Tosobika, M. Lunyeka, M. Salifi Koulibaly, qui ne veulent pas céder ce fauteuil à Diobi Zoubou afin que celui-ci puisse réorganiser les partis et que nous puissions aller au Congrès. Hier, le président de la République avait reçu une délégation d'un mouvement qu'on appelle d'international socialiste, dont l'Union pour la démocratie et l'IDPS est membre au niveau de l'Espagne. Mais c'est Salifi Koulibaly, Tosobika, Lunyeka, il a été élu, je ne sais pas moi comment il a été élu, dans ce mouvement comme deuxième vice-président. Alors, comme il reste au moins 8 mois pour que ce mouvement puisse aller aux élections et choisir les animateurs au sein de ce mouvement, Lunyeka va organiser de faire appel aux représentants de ce mouvement de la zone Afrique afin de venir voir le président Tshisekedi, de le remercier pour sa réélection. Et comme c'était sa stratégie, il a réussi sa stratégie. Le président de la République les a réussi, mais l'unique façon, l'unique organisation ou l'unique sujet, c'était à l'ordre du jour, c'était les remerciements de ce mouvement auprès du Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui remercier. Et au moment où nous vous parlons, Lunyeka a trouvé l'opportunité de rencontrer l'autorité de référence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment le président et le conseiller par excellence de la gestion de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous pensons qu'il est déjà à côté. On le considère désormais comme ex-secrétaire général. D'ailleurs, le président de la République n'avait pas attiré l'attention sur lui. Il a coupé sa Mokozamboka Mbote. Mokozamboka Zako Tala Bapaya Oya Memi. Il a fait l'audience plus de 5 fois. Zako Sala Audience pour chef de l'État Yambaya Zako Yambayete. Pour la Nini, désordre à Tiangou Nakatia Parti. Pour réhabiliter permanence. Est-ce que les problèmes actuels, il y a eu des pestes? Est-ce que la réhabilitation, il y a eu la permanence? Non. Azao, qu'on ne visite pas Boutou Boutou. Nous n'avons pas besoin de ça. Parti, il faut alors réorganiser. Le cadre est parti, il faut ça là. Tu as préparé 2028. Tu as dit que tu as dit que lobby de Obizoubou a visité la fédération de l'Union, il y a eu des pestes. Tu as lobby dans 7 ans, Boya Mobondo. Boya Ebele na Saint-Anne. To la ksa ye ke toza lissou na l'Unyekate. To la ksa ke deyo bizoubou toza ko soutenir ye. Et le samedi, to ko zala na collège. Ya se, comment on appelle ça, collège Boboto. Pour la présentation, ya programme na ye. O ya ko jere parti na biso pendant 6 mois. Et le 7 septembre, to ko zala bon na permanence ya parti. Pour la Goluka ko installe ye tozo ngila ba activité. Je crois que Esengo ezala ki ya mingi. Pour la Goluka, couper sa bino ma information, ou les Goluka na mboga na biso, sombele, suka bisanga, bolobo, suka ngbele, boato, etamula kali kolo ya mai, nzete ou ekwe ya kananzela bilanga, e ou melakate, oyo yo babengye, nzete ya mbinzo, Tshisekedi babengye Fati Beton, o chef de l'État, bazako benga ye mokongo ya nzoku, le roi soleil, na pesimbo telanga e pa na docteur Emani, ou azali le valable président ya Ligue des Jeunes. To yo kye ke, le 4e vice-président charge à mobilisation, Akena Goma a déclaré qu'Azali personne non grata. Nous n'avons que l'IDPS n'a qu'un seul président de Ligue des Jeunes. C'est le président Emani Dioko. Yene Moutaza qui a engagé Ligue des Jeunes, il y a IDPS. Na personne n'a pas le docteur Eten Longondo. Kouloutou Mokako Soa. Bravo, félicitations à Moussalo Salaki, Lelo Lunyeka Kei. En tout cas, Kouloutou, Naza Koupesa Yo, félicitations à Ngaï. Kalate toko organize ndenge nini oya mbaba kominekate na ba parlementaire debout ya IDPS pour la Goluka kopé sa mo kakoswa. Tu pesi mbote na biso e pa na papa Florentin oyo azali rapporteur ya CDP.
tobo sanité ba combattant na ba combattante nyonso ya IDPS toza la sima ya deo bizubu lobi biso nyonso na Saint-Thérèse pour la koluka ko appuyer to ba ndenge ni tozo ngisa pouvoir na base. Merci nzambe ya pambola bino de tokutani mikoleza koya. Bye bye, ciao. Tango kokio yoyo.